De huurprijzen op de privémarkt zijn de laatste jaren gestegen, sterk gestegen, waardoor het voor mensen met een laag inkomen heel moeilijk is om nog een geschikte en betaalbare woning te vinden. Dus er zijn zeer veel mensen die ingeschreven zijn op voor een sociale woning, bijna 40.000 gezinnen. En er zijn ongeveer evenveel sociale woningen die allemaal bewoond zijn. Dus de situatie is voor zeer lange tijd geblokkeerd. Les pouvoirs publics aujourd'hui, vu la crise, ont moins de moyens, pour pas dire très peu de moyens, pour investir dans le logement social. La solution, c'est que nous allons apporter du capital pour acheter, construire, rénover des logements, que nous allons alors louer à des agences immobilières sociales qui elles-mêmes vont les louer à des locataires à bas revenus qui correspondent aux critères de locataires sociaux. Alors les trois partenaires du projet sont de 1 la Banque de Grove, donc la Banque de Grove qui apporte sa compétence en investissement, sa compétence financière, Revive, qui est un promoteur immobilier basé en Flandre et qui apporte vraiment sa compétence immobilière, notamment dans le domaine de l'immobilier durable. Et alors COIS, que je représente, qui est une société spécialisée en investissement social. Et nous apportons vraiment l'angle de l'analyse de l'impact social dans le cadre d'investissement rentable. Le projet Inclusio propose à des personnes, à des investisseurs, d'investir dans un logement de type social, avec en même temps une garantie offerte par un opérateur public qui sera celui qui sera en contact avec ce public visé par Inclusio. C'est donc offrir un rendement peut-être moindre que ce qu'offrent d'autres types d'investissements immobiliers, mais avec une sécurité plus grande et, cerise sur le gâteau, la possibilité d'ainsi contribuer à résoudre ce problème majeur pour notre société qu'est l'accès au logement pour les publics à moindre revenu. Ik ben architect van opleiding en ik ben investeerder. En het is eigenlijk door te investeren dat ik na een tijdje geïnteresseerd ben geraakt in impact investing, in proberen echt te investeren met een sociaal-maatschappelijke impact, waarbij dat je de drie P's, people, planet en profit, perfect kunt combineren. En het is eigenlijk in die zoektocht, enerzijds mijn expertise als architect en anderzijds als impact investering, dat ik eigenlijk begonnen ben met Revive. Revive werd in 2009 opgericht door mezelf en Piet Koolreit, met de duidelijke ambitie om brownfields te saneren, maar vooral duurzame wijken te bouwen in stedelijke centra. Door daarmee bezig te zijn, nu al een aantal jaar, zijn wij in contact gekomen met een aantal andere uitdagingen, zoals sociale huisvesting. Die ideeën zijn ondertussen gegroeid. Wij hebben ons dan samengezet met onze partners COIS en Bank de Groof om Inclusio op te richten. Inclusio is veel meer dan enkel het aanbieden van een dak boven het hoofd, die primaire behoefte van betaalbaar wonen. Maar we willen ook, of wij gaan samenwerken met een aantal partijen, VZW's, lokale partijen, die naast het dak boven het hoofd de mensen ook helpt in een herintegratieproces, wat de mensen veel meer nodig hebben dan puur die sociale huisvesting. Zo zijn er al een aantal projecten in de maak rond mensen met een handicap, mensen met autisme, ex-gedetineerde daklozen, dat we die mensen ook opnieuw hoop geven, future, om sociale cohesie te maximaliseren in onze steden, die vandaag ook een heel belangrijk aandachtspunt zijn. Grâce à ce partenariat qu'il y a avec les investisseurs, se dire, ben voilà, eux investissent et nous on investit dans l'accompagnement et donc ils nous laissent un espace pour l'accompagnement. Et donc on va pouvoir avoir une équipe sur place qui va pouvoir vraiment suivre régulièrement, le plus régulièrement possible, les personnes qui vivent aux étages au-dessus. Le projet Inclusio est un projet qui nous intéresse énormément parce qu'on a plus de 2500 personnes qui sont en attente sur nos listes d'attente et on cherche toujours à avoir de partenaires importants pour pouvoir créer de plus en plus de logements à mettre à disposition et de pouvoir aussi travailler sur un long terme et pas sur des termes de 9 ans comme on a l'habitude de faire.